بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية بتطوين إذاعة تطوين تقدم إذاعة البكالوريا إذاعة البكالوريا اليوم مادة الاقتصاد مع الأستاذة هدى الهوش Merci d'être avec nous sur les ondes de Radio Tatawim. Vous êtes en train d'écouter l'émission Radio Baccalauréat dans une séance consacrée à la discipline économie. Aujourd'hui, nous allons réviser le thème de développement durable. Donc, on va consacrer toute une séance pour uh, cette partie 3 du programme intitulé Le Développement uh, durable. Uh, pour ce faire, chers élèves, je vous, je vous ai choisi donc uh, uh, une série uh, de questions variées entre les questions de réflexion et les exercices. Nous allons commencer par la première question. Présenter les trois piliers du développement durable. Je répète la question. Présenter les trois piliers du développement durable. Alors, comment je veux traiter cette question? Toujours, j'insiste, chers élèves, que vous devez donc suivre les trois étapes suivantes. Donc, une lecture attentive de l'énoncé de la question. Je lis attentivement l'énoncé de la question. Puis je veux passer à encadrer la consigne. Puis on va souligner les mots-clés. Donc nous avons bien lu l'énoncé de la question. Donc j'encadre la consigne. Notre consigne ici c'est le verbe présenter. Donc la consigne prend la forme d'un verbe d'action. C'est le verbe présenter. Donc j'encadre le verbe présenter. Je souligne les mots-clés. Le mot-clé ici pour notre question c'est le développement durable développement durable, souligner développement durable. Alors euh, donc de quoi s'agit-il ici? Il s'agit de présenter, c'est-à-dire de citer et d'expliquer les trois piliers du développement durable ou les trois composantes, si vous voulez, du développement durable. Durable. On sait très bien que le phénomène de développement durable repose sur un certain nombre de piliers, exactement trois piliers qui constituent le fondement de ce phénomène. c'est-à-dire pour réaliser le développement durable, je dois réunir donc d'une façon simultanée, d'une façon donc, donc complémentaire, interdépendante, trois piliers au même, au même temps. alors je rappelle tout d'abord le phénomène de développement durable. c'est quoi? c'est un processus à long terme qui désigne euh, donc l'ensemble des changements des structures de toute nature économique, politique, euh, sociale, culturelle, mentale, juridique, institutionnelle, démographique, etc., dont l'objectif de satisfaire les besoins fondamentaux euh, de la population, dans l'objectif aussi de réduire les inégalités euh, sociales et dans l'objectif, bien sûr, de préserver l'environnement naturel et de lutter contre l'épuisement des ressources euh, naturelles, renouvelables et non renouvelables dans le cadre d'une équité intra, inter- et intra-générationnelle. Euh, Alors, je définis toujours le développement durable à partir de ces euh, trois objectifs. Donc, qui sont la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, la réduction des inégalités sociales et la sauvegarde de l'environnement euh, naturel. Et je rappelle toujours la condition de durabilité ou de viabilité à long terme de ce processus, qui est euh, donc euh, la réalisation de l'équité inter- et intragénérationnelle, c'est-à-dire euh, l'égalité entre les différents membres d'une même génération ou entre des générations euh, différentes. Alors, après avoir rappelé cette notion de développement durable, on va essayer donc de voir et de présenter les trois piliers qui donc, favorisent la réalisation de ce développement durable. Donc bien évidemment, donc, le développement durable repose sur trois piliers le pilier économique, le pilier social et le pilier environnemental. Donc nous allons commencer par le pilier économique. Donc en quoi consiste-t-il pour le pilier économique, il consiste à créer des richesses et à améliorer les conditions de vie euh, matérielles. Donc euh, déjà, nous avons l'adjectif économique. C'est tout ce qui a une relation avec la sphère économique. Euh, bien sûr, tout ce qui est création de biens et services, tout ce qui est activité de production euh, donc, et de consommation. Bien sûr, on va traiter ceci de côté économique. Donc euh, comment on va créer les richesses, comment on va assurer la création de richesses pour satisfaire, bien sûr, les besoins fondamentaux de la population et améliorer, donc, les conditions de vie euh, matérielles de la population, tout ce qui concerne, bien sûr, ces euh, besoins essentiels en termes, donc, euh, de santé, en termes de logement, en termes d'alimentation, etc. Euh, bien sûr, euh, donc, euh, à côté de ceci, donc, ou comment je veux euh, réaliser, donc, euh, cet objectif-là, comment on va élaborer ce pilier-là, c'est il s'agit ici, donc d'adopter essentiellement des modes de production et de consommation durables, c'est-à-dire qui introduisent des actions pour que la croissance économique ne se fasse pas au détriment de l'environnement et euh, du social. Alors là lorsqu'on va assurer la création euh, des richesses dans l'objectif de satisfaire les besoins donc, de toute la population sans aucune euh, discrimination bien sûr, on va satisfaire les besoins fondamentaux de tous les êtres humains pour en parvenir donc à la manière de production et de consommation doit être une manière euh, rationnelle, c'est-à-dire c'est une manière optimale qui consiste à éviter donc euh, le gaspillage, qui consiste à être donc, euh, et, donc en, en harmonie avec l'exploitation euh, de l'environnement euh, naturel, tout en assurant donc la satisfaction des besoins fondamentaux euh, de la population. C'est donc euh, euh, le pilier consiste essentiellement à assurer cette conciliation entre la croissance économique et euh, bien sûr euh, l'environnement et euh, le côté social bien sûr de ce développement durable. Nous passons maintenant au deuxième pilier qui est le pilier social. Bien sûr euh, donc euh, l'adjectif social ici réfère à tout ce qui a une relation avec euh, la société. Il s'agit de satisfaire bien sûr les besoins essentiels comme par exemple la santé, l'éducation, l'habitat, l'emploi bien sûr des populations pour les générations présentes et futures. Euh, donc l'objectif bien sûr aussi c'est de réduire les inégalités euh, sociales et pour arriver à réaliser ceci donc il faut s'assurer d'un partage équitable donc de la richesse dans le monde et entre les Génération. On insiste ici essentiellement sur la, sur la manière de la répartition des richesses entre les différents membres de la population qui doit être donc un partage égalitaire, un partage juste et un partage équitable. Donc nous passons maintenant au dernier pilier qui est le pilier environnemental. Je le peux l'appeler aussi le pilier écologique ou le pilier naturel quand vous le voyez donc il a une relation directe avec la dimension environnementale euh, du développement durable donc il, il traite donc euh, de la préservation euh, de l'environnement naturel comment nous allons préserver les ressources de la planète et maintenir l'équilibre écologique sur euh, le long terme ça revient alors à assurer quoi à assurer cette conciliation entre la croissance économique et la sauvegarde de l'environnement. Comment nous allons parvenir à, à cette euh, conciliation C'est bien sûr à travers une exploitation rationnelle des richesses naturelles. Lorsque je dis donc à travers une exploitation naturelle des richesses naturelles, c'est qu'on va éviter donc la surexploitation, on va éviter donc le problème d'épuisement, on va éviter toutes sortes euh, de gaspillages, toutes sortes de pertes euh, des ressources naturel de la planète. Donc voilà, donc notre réponse détaillée pour cette première question. Je résume alors la réponse, le développement durable repose sur trois piliers, le pilier économique, le pilier social et le pilier environnemental. Pour la deuxième question, je vous ai choisi donc un exercice Toujours le thème c'est le développement durable. Maintenant, on va eh, traiter du côté de la mesure de phénomènes de développement eh, durable. Et donc on va prendre un exercice sur le premier indicateur de mesure qui est eh, l'IDH ou l'indicateur de développement humain. Donc pour ce faire, donc, nous allons prendre un tableau statistique. Donc nous allons avoir un tableau à 1, 2, 3, donc 4, 5, 6 colonnes. Donc nous avons six colonnes. Et trois lignes. Donc, construisez un tableau à six colonnes et trois lignes. Donc, le tableau, qu'est-ce qu'il renferme Il renferme l'indice de développement humain IDH et ses composantes à Hong Kong et au Suède en 2017. Ça, c'est le titre du tableau. Je répète le titre du tableau, l'indice de développement humain, IDH et ses composantes à Hong Kong et au Suède en 2017. Qu'est-ce qu'on va mettre dans le tableau? Donc, dans les colonnes, nous allons mettre l'indice de développement humain, l'IDH, et ses composantes. Et dans les lignes, nous allons mettre le deux pays, Hong Kong et Suède. Donc je place les pays. Première ligne Hong Kong, deuxième ligne Suède. Nous commençons par la première colonne qui représente l'indice de développement humain IDH. Pour Hong Kong, il est égal à 0,933. Et pour le Suède, c'est aussi 0,933. On passe à la deuxième colonne qui représente l'espérance de vie à la naissance en année. L'espérance de vie à la naissance en année. Pour Hong Kong, 84,1. Pour le Suyet, 82,6. Troisième colonne, c'est la durée attendue de scolarisation en année. Durée attendue. De scolarisation en année. Pour Hong Kong 16,3. Pour le Suède 17,6. Quatrième colonne représente la durée moyenne de scolarisation en année. Durée moyenne de scolarisation en entre parenthèses, l'unité, c'est le nombre d'années, bien sûr. Pour Hong Kong, c'est 12,0. Pour le Suède, 12,4. Et enfin, la dernière colonne, dans laquelle on va placer le revenu national brut, entre parenthèses, RMB par habitant, exprimé en dollars de 2011 en PPA. Donc, entre parenthèses, limitées c'est dollars de 2011 en PPA. Donc, le RMB par habitant pour Hong Kong, il est égal à 58 vingt. Pour le Suède, c'est 47 766. Donc, pour Hong Kong, c'est 58 420. Et je, je souligne ce chiffre. Souligner ce chiffre 58 420, qui est le revenu national brut par habitant pour Hong Kong. Et pour le Suède, nous avons donc un RMB par habitant égal à 47 766. La source du tableau, c'est. Le PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, Rapport mondial du développement humain 2018. Alors, je, re, je présente de nouveau le tableau. Donc, nous avons un tableau statistique que représente l'indice de développement humain, l'IDH et ses composantes à Hong Kong et au Suède en 2017. D'après notre source, bien sûr, c'est le PNUD Rapport mondial du développement humain 2018. Alors, le tableau représente dans les colonnes les DH et ses composantes. Donc, première colonne, l'indice de développement humain, les DH. Deuxième colonne, l'espérance de vie à la naissance en année. Troisième colonne, la durée attendue de scolarisation en année. Euh, donc, quatrième colonne, durée moyenne de scolarisation en année. Et cinquième colonne, revenu national brut par habitant en dollars de 2011 en PPA. Pour les lignes, elles contiennent les deux pays. Donc, premier pays, donc Hong Kong. Deuxième pays, le Suède. Donc, pour Hong Kong, donc nous avons l'indice de développement humain, l'IDH, 0,933. Même chose pour le Suède, c'est le même chiffre, 0,933. L'espérance de vie à la naissance, 84,1 années pour Hong Kong, 82,6 années pour le Suède. Durée attendue de scolarisation en année, nous avons 16,3 années pour Hong Kong, 17,6 pour Suède. Durée moyenne de scolarisation, 12,6. 0 année pour Hong Kong, 12,4 années pour le Suède. Et enfin, nous avons le RMB par habitant, 58 420 euh, donc, dollars PPA pour Hong Kong et 47 766 dollars PPA pour le Suède. Voilà donc notre tableau sur lequel nous allons euh, travailler. Donc le tableau il est accompagné de deux questions. Petit A, donnez la signification du chiffre souligné et la formule permettant de l'obtenir. Je répète la question. Donner la signification du chiffre souligné et la formule permettant de l'obtenir. Sachant que nous avons déjà souligné le premier chiffre dans la dernière colonne qui est le RMB par habitant pour Hong Kong vingt dollars PPA de 2011. Voilà donc le chiffre souligné. Nous passons maintenant à la deuxième question, petit B. Comparer le développement humain des deux pays en 2017 en justifiant votre réponse. Je répète la question petit B. Comparer le développement humain des deux pays en 2017 en justifiant votre réponse. Nous commençons alors par la première question, petit a. Toujours, donc je vous conseille, chers élèves, de bien lire l'énoncé de, de la question, de bien sûr donc encadrer là où le consigne et bien sûr souligner les mots-clés. Pour la première question, nous avons notre consigne, c'est donner la signification. Donner la signification et la formule donc un travail composite ici donc on va essayer de donner tout d'abord la signification et la formule donc vous encadrez donner la signification et la formule bien sûr donc euh, du chiffre euh, souligné et euh, bien sûr la formule euh, qui permet d'obtenir donc ce chiffre souligné alors notre chiffre souligné c'est quoi c'est le revenu national brut RMB par habitant Dollar de 2011 en PPA à Hong Kong qui est égal à 58 420. Que signifie ce chiffre? Donc, on va essayer de donner la signification. Donc, si je change ce travail demandé, euh, donc euh, donner la signification c'est autrement interpréter le chiffre tout simplement ou mettez le chiffre dans une phrase qui permet d'en comprendre le sens. Donc, notre Signification de chiffre souligné, c'est quoi? En 2017, chaque habitant reçoit en moyenne un revenu égal à 58 420 dollars PPA à Hong Kong. Voilà donc notre. Euh, donc, interprétation pour le chiffre souligné. En fait, alors, on sait très bien que le revenu national euh, brut par habitant, il mesure le niveau de vie euh, moyen de la population. Et lorsque je dis le niveau de vie moyen de la population, c'est le revenu moyen euh, donc qui est reçu euh, donc, par la population. Tout simplement, c'est un indicateur sur le niveau de vie. Alors là, chaque habitant, il va recevoir donc en moyenne un revenu égale à 50 420 dollars PPA dans ce pays-là qui est le Hong Kong. Donc, la formule permettant de l'obtenir, deuxième partie de la question, la formule permettant d'obtenir le chiffre souligné qui est le revenu national brut par habitant à Hong Kong en 2017. La formule, je crois que nous avons déjà vu ceci ensemble dans le cours, qui est tout simplement la formule de RMB par habitant. Donc, c'est la suivante RMB par habitant en 2017 égale tout simplement RMB en 2017 sur population totale en 2017. Voilà donc notre formule permettant d'obtenir ce chiffre-là. Nous passons maintenant à la question petit b. Je répète la lecture de la question comparer le développement humain des deux pays en 2017 en justifiant votre réponse. Lecture attentive, bien sûr. Puis je passe à encadrer la consigne ou les consignes. Bien évidemment, ici, nous avons deux consignes. La première, c'est comparer. La deuxième, c'est justifier votre réponse, en justifiant votre réponse. Donc, on vous demande un travail de comparaison, puis vous allez justifier votre réponse, bien sûr, à partir des données du tableau. Donc, qu'est-ce qu'on va comparer On va comparer le développement humain dont je souligne le mot-clé qui est le développement humain ici, de deux pays en 2017, et on va justifier euh, notre réponse. Alors là, chers élèves, je vous rappelle toujours que nous avons devant nous la consigne comparée. Et euh, dans des séances qui ont précédé, j'ai bien euh, donc insisté sur la méthodologie de la consigne euh, comparée. Pour la consigne comparée, il s'agit toujours de dégager les points communs et les points de euh, différence. Euh, qu que ce soit donc c'est une question de réflexion ou c'est un exercice ou c'est une dissertation économique, toujours la consigne comparée, elle est travaillée de cette façon-là. Donc il faut dégager les points communs et les points de euh, différence. Nous, nous avons déjà travaillé sur euh, la consigne comparée avec. Euh, euh, donc euh, euh, dans des séances passées, euh, dans des questions de réflexion. Aujourd'hui, je trouve la consigne comparée dans un exercice. Donc rien ne change. Je garde toujours le même plan de la réponse, points communs et points de différence. Alors, donc nous allons effectuer cette comparaison de développement humain dans les deux pays et avec la justification, bien sûr. Donc, nous allons commencer par les points communs. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre Hong Kong et Suède, de point de vue, bien sûr, développement humain Donc, Hong Kong et Suède ont le même niveau de développement humain. Et appartiennent au groupe des pays à développement humain très élevé. Voilà donc les points communs. Donc nous avons ici bien évidemment deux points communs. Le premier, c'est je répète Hong Kong et Suède ont le même niveau de développement humain. Pourquoi ils ont le même niveau de développement humain Parce que je vois très bien que l'indice de développement humain, l'IDH, il est le même pour Hong Kong et pour le Suède, qui est égal à 0,933. Deuxième point commun, de cette façon-là, ils appartiennent, donc ces deux pays appartiennent au groupe de, des pays à développement humain très élevé. Justification. Pourquoi Donc ils appartiennent aux pays à développement humain très élevé, car leur IDH, qui est égal à 0,933, se trouve compris entre 0,8 et nous nous savons très bien que à chaque fois où l'IDH varie entre 0,8 et 1, le pays il est classé parmi les pays à développement humain très élevé. Les DH de Hong Kong et de Suède se trouvent dans cet intervalle-là, donc les deux pays sont classés parmi les pays à développement humain très élevé. Bien, donc nous passons maintenant au point de différence. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre donc Hong Kong et Suède. Je crois que la différence figure au niveau des composantes de l'EDH de chaque pays. Je rappelle les composantes de l'EDH. Ce sont donc au nombre de trois. Donc nous avons la santé ou la longévité qui est mesurée par l'espérance de vie à la naissance, la durée est donc attendue de scolarisation et la deuxième durée moyenne de scolarisation qui mesure la deuxième composante qui est l'éducation. Et enfin, nous avons le niveau de vie qui est mesuré par le revenu national brut par habitant. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici On remarque que ces composantes sont différentes entre les pays. On va commencer par la première composante, qui est la santé. Donc, on sait très bien que l'espérance de vie à la naissance, elle mesure le niveau de santé ou la longévité dans un pays, c'est-à-dire la capacité de la population à vivre longtemps et en bonne santé. Qu'est-ce qu'on constate ici On constate que Hong Kong a un niveau de santé plus élevé que le Suède. Justification Car il a une espérance de vie à la naissance plus élevée. Si on voit très bien l'espérance de vie à la naissance à Hong Kong, elle est égale à 84,1 années. Elle est supérieure à celle de Suède qui est égale seulement à 82,6 années. Et donc, on peut affirmer alors là que le niveau de santé à Hong Kong il est plus développé qu'au Suède. Deuxième point de différence, c'est dans le niveau d'éducation. Et là, j'observe donc euh, les, les indicateurs qui mesurent le niveau d'éducation. Si on voit très bien donc la durée attendue de scolarisation en année à Hong Kong, on trouve que c'est 16,3 et au Suède, c'est 17,6 années. Donc, de point de vue durée attendue, elle est supérieure au. Suède et si je vois aussi de même pour la durée moyenne de scolarisation elle est toujours supérieure au Suède puisque 12,34 années pardon est supérieure à 12,0 années en Hong Kong alors on peut affirmer que Suède a un niveau d'éducation plus élevé que celui à Hong Kong car ses durées attendues et moyennes de scolarisation sont plus élevées. Je peux prendre, bien sûr, les chiffres justificatifs à partir du tableau. Nous avons 17,6 et 12,4, supérieurs à, respectivement, 16,3 et 12,0 années. Dernier point de différence figure au niveau de niveau de vie. Donc, qu'est-ce qu'on observe On observe dans le tableau que le RMB par habitant, il est plus élevé à Hong Kong qu'au Suède. Donc, qu'est-ce qu'on va dire On va dire que Hong Kong a un niveau de vie plus développé et plus élevé que le Suède, puisque 58 420 qui est le niveau de vie à Hong Kong est supérieur à 47 766 qui représente le RMB par habitant au suède donc voilà donc nos points de euh, différence alors de cette façon là nous avons bien donc euh, terminé avec la correction de cet exercice donc toujours euh, donc on va travailler sur les indicateurs euh, de développement humain et pour ce faire, donc, nous allons prendre notre support, un tableau aussi statistique. Donc, nous allons construire un tableau à 5 colonnes et 3 lignes. Qu'est-ce qu'on va mettre dans le tableau On va mettre dans les lignes deux pays, Tunisie et Koweït. Et on va mettre dans les colonnes l'indice de développement humain et l'indice d'inégalité de genre en 2015. Donc titre du tableau, l'indice de développement humain et indice d'inégalité de genre en 2015. Première ligne, la Tunisie. Deuxième ligne, le Koweït. Donc première colonne, on va mettre l'indice de développement humain, l'IDH. Pour la Tunisie, c'est 0,725. Pour le Koweït, c'est 0,800. Je répète. L'IDH en Tunisie, 0,725. Pour le Koweït, c'est 0,800. Deuxième colonne, on va mettre le classement selon l'IDH. Classement selon l'IDH. Pour la Tunisie, c'est 97. Pour le Koweït, c'est 51. Tunisie, 97. Koweït, 51. Troisième colonne l'indice d'inégalité de genre pour la Tunisie 0,289 pour le Koweït 0,335 l'indice d'inégalité de genre pour la Tunisie 0,289 pour le Koweït 0,335 et enfin la dernière colonne nous avons le classement selon l'indice d'inégalité de genre classement Selon l'indice d'inégalité de genre. Pour la Tunisie, 58, pour le Koweït, 70. Je répète, 58 pour la Tunisie et 70 pour le Koweït. Notre source pour le tableau, c'est le PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement. Et nous avons donc le rapport sur le développement humain 2016. Alors, je lis de nouveau le tableau. Donc nous avons devant nous un tableau statistique qui représente l'indice de développement humain et l'indice d'inégalité de genre en 2015 d'après le PNUD, donc le rapport sur le développement humain 2016. Dans les colonnes, on trouve l'indice de développement humain, l'IDH, le classement selon l'IDH, l'indice d'inégalité de genre, le classement selon l'indice d'inégalité de genre. Et dans les lignes, on trouve les deux pays, la Tunisie et le Koweït. Donc nous avons l'IDH en Tunisie 0,725, pour le Koweït c'est 0,800. Classement selon l'IDH pour la Tunisie, c'est 97,51 pour le Kuwait. L'indice d'inégalité de genre, 0,289 pour la Tunisie, 0,335 pour le Kuwait. Et enfin, le classement selon l'indice d'inégalité de genre, c'est 58 pour la Tunisie et 70 pour le Kuwait. Notre travail à faire, c'est le recours à l'IDH est-il suffisant pour apprécier le niveau de développement humain d'un pays Justifiez votre réponse à partir des données du tableau. Je répète la question. Le recours à l'IDH est-il suffisant pour apprécier le niveau de développement humain d'un pays. Justifiez votre réponse à partir des données du tableau. Voilà donc la question qui accompagne donc notre euh, tableau statistique. Alors, euh, pour répondre à cette question, bien sûr, euh, même chose toujours, donc je lis attentivement la question, je souligne les mots-clés et euh, bien sûr, avant de souligner les mots-clés, j'encadre la consigne. Donc, pour nous, donc, la consigne ici, c'est est-il suffisant Donc, elle, elle prend une forme interrogative, donc, euh, cette formulation-là, le recours à l'IDH, est-il suffisant Donc, on va répondre ici par oui ou non. Est-ce qu'il est, qu est euh, suffisant ou non. Donc, premier mot-clé, nous avons l'IDH. C'est un mot-clé très important pour nous ici. Et bien sûr, développement humain. Nous avons donc un deuxième terme-clé qui est le développement humain. Donc, on est en train de poser, bien sûr, la question sur euh, l'utilisation de l'IDH est-elle suffisante pour mesurer le niveau de développement d'un pays? Ça c'est dans une première moitié de la question. Puis nous avons justifié votre réponse. Donc j'encadre cette consigne encore. On va justifier notre réponse, bien sûr, à partir des données du euh, tableau. Donc, comment je vais répondre à cette question-là Bien sûr, tout le travail va reposer sur l'observation des données du euh, euh, tableau et euh, donc la manipulation des chiffres. Donc toute la réponse, bien sûr doit être prise à partir du tableau. À chaque fois où nous avons euh, donc, euh, un document accompagné d'un travail à faire, euh, donc euh, je dois bien sûr répondre en utilisant les données du euh, document qui prend bien sûr ici la forme d'un tableau euh, statistique. Donc, l'IDH est-il un indicateur euh, suffisant pour apprécier le niveau de développement humain euh, d'un pays Oui ou non Donc, la réponse, c'est bien sûr non. L'IDH est un indicateur insuffisant pour apprécier le niveau de développement humain d'un pays. Donc, il nous reste alors la deuxième moitié de la réponse qui est peut-être encore plus importante que cette première donc, partie parce que ça ne suffit pas de répondre par oui ou non en économie toujours. Bien sûr, vous le savez, chers élèves, que ma réponse doit être toujours argumentée et expliquée. Donc oui ou non, donc ça doit être accompagné d'une explication donc détaillée et d'une justification donc de la réponse à partir euh, des données du euh, tableau. Alors on a dit que le l'EDH est un indicateur insuffisant pour apprécier le niveau de développement humain d'un pays. Pourquoi Donc on justifie la réponse car il ne prend pas en compte que les critères de santé, éducation et niveau de vie. Et par conséquent il néglige d'autres aspects tels que l'existence d'inégalités de genre. Donc l'on sait très bien, chers élèves, que l'EDH, il est calculé et il se base dans son calcul sur trois critères très importants, donc qui sont, euh, donc, on les appelle encore les dimensions, ce sont trois dimensions, la santé, l'éducation et le niveau de vie. Quoiqu'elles soient importantes, ces trois euh, dimensions, mais malheureusement, elles sont insuffisantes pourra pouvoir donner une mesure complète du développement humain euh, dans un euh, pays. Pourquoi? Parce que je vois très bien que là, en se concentrant sur ce, ces trois variables, donc la santé, l'éducation et les niveau de vie, et les DH négligent d'autres aspects euh, comme par exemple l'existence d'inégalités entre les entre les sexes. Donc bien sûr, l'on sait très bien qu'il y a des inégalités entre les hommes et les femmes. Ces inégalités entre les hommes et les femmes ne sont pas prises en considération par les DH. Donc cela impose quoi alors Donc le recours à un deuxième indicateur devient très intéressant. Quel est cet indicateur là C'est bien sûr l'indice d'inégalité de genre qui figure dans notre tableau ici. Alors le recours à l'indice d'inégalité de genre, ce qu'on appelle tout court ici l'IG, permet d'évaluer les différences hommes-femmes sur la base d'autres critères liés à la santé, reproductive des femmes, à leur autonomisation et à leur insertion au marché de l'emploi. Donc, je, je vois donc très bien ici que l'IG, qui est un autre indicateur permettant de mesurer donc, le niveau de développement humain dans un pays, il va donc toucher des variables qui ne sont pas évoquées par l'IDH. Donc, il va mettre l'accent sur les inégalités entre les hommes et les femmes, sur d'autres critères différents de, de l'IDH. Donc, on va s'intéresser essentiellement à la santé reproductive des femmes, à leur autonomisation, à indépendance ou alors insertion au marché de l'emploi critères qui ne sont pas envisagés par l'IDH. Ainsi, de cette façon-là, qu'est-ce que je constate Que la seule prise en compte des trois critères de l'IDH, qu'est-ce qu'elle montre Montre que, par exemple, le Koweït, qui est le deuxième pays dans de notre exercice, en 2015, si je vois très bien, est plus développé humainement que la Tunisie. Pourquoi on a dit ceci Parce que, si je vois très bien, l'IDH de Koweït, il est supérieur à celui de la Tunisie. Nous avons 0,800 pour le Koweït et pour la Tunisie, nous avons 0,725 seulement. Donc à partir de l'IDH seul, on constate que le Koweït est plus développé que la Tunisie. Alors là, puisque donc le Koweït est plus développé que la Tunisie, bien sûr ça va avoir un reflet sur le classement selon l'IDH, il va être mieux classé que euh, la Tunisie. Si je vois le rang euh, de Kuwait, c'est 51 contre 97 euh, pour euh, donc, la Tunisie. Euh, donc, il est donc mieux classé que la Tunisie de point de vue euh, EDH. Toutefois, si je, je veux recourir maintenant à l'IG, qui intègre d'autres critères, qu'est-ce que ça nous montre Ça montre que la Tunisie est moins inégalitaire que le Koweït. Pourquoi parce que nous avons l'IIG de la Tunisie, il est inférieur à, à celui de Kuwait. Nous avons l'IG de la Tunisie, c'est l'indice d'inégalité de genre pour la Tunisie, 0,289, inférieur à l'indice d'inégalité de genre au Kuwait qui est 0,335. Et qu'elle devient alors selon cet indicateur, la Tunisie devient mieux classée que le Kuwait, le Kuwait va avoir la 70e place, alors que la Tunisie va avoir la 58e place. Donc selon l'IEG, je vois très bien que la Tunisie allait mieux classer que euh, Koweït. Donc qu'est-ce qu'on constate alors que l'EDH ne permet pas de donner une mesure complète et exhaustive. De niveau de développement dans un euh, pays, puis, puisqu'il néglige d'autres aspects euh, qui reflètent d'une manière très importante aussi d'autres aspects de développement euh, humain, comme par exemple, donc, euh, ceux qui sont mesurés par l'indice d'inégalité euh, de genre. Alors, on trouve que les deux euh, classements et les deux situations euh, pour la Tunisie et le Koweït sont tout à fait euh, différentes de point de vue, euh, donc, euh, développement humain. Comme c'est reflété par notre tableau. Et c'est la raison d'ailleurs par laquelle l'IDH qui se voit comme étant un indicateur limité pour la mesure de développement, cause pour laquelle donc le PNUD a bien sûr, introduit d'autres indicateurs de développement qui vont essayer de compléter donc, cette image et de donner une mesure plus complète pour euh, le développement. Et parmi ces indicateurs-là, bien sûr, on trouve l'indice euh, d'inégalité euh, de genre. Bien sûr, l'indice d'inégalité de genre, euh, qui est bien sûr lié, à tout court, il est estimé, donc je rappelle toujours, selon trois dimensions, la santé reproductive des femmes, leur autonomisation et le marché de travail plus il est élevé, plus le pays est inégalitaire. Comme je vois très bien ici pour le Koweït, il est plus élevé que la Tunisie. Donc le Koweït est un pays plus inégalitaire en termes de sexe, donc par rapport à la Tunisie. Voilà donc notre réponse pour notre troisième question qui a pris la forme d'un exercice. Nous passons maintenant à la quatrième question. Donc, pour la quatrième question, donc, euh, on va prendre la suivante. Quelle est l'utilité de l'indice de développement humain Je répète la question. Quelle est l'utilité de l'indice de développement humain Donc, notre consigne ici prend la forme d'un euh, mot interrogatif. Donc, quel Quel, dans -Cadre, quel euh, Donc, j'encadre quel. Donc, mot-clé, bien sûr, c'est l'indice de développement humain, ou ce qu'on appelle tout court l'IDH. Donc je rappelle toujours l'IDH, euh, c'est quoi l'indice de développement humain C'est un indicateur ou c'est un indice composite, synthétique, Donc puisqu'il se base sur un certain nombre de variables, son calcul donc, il est un peu un calcul complexe. Il est introduit par le programme des Nations Unies de, donc, pour le développement en 1990 dans l'objectif de mesurer le niveau de développement euh, humain dans un euh, pays. La méthode de calcul donc de l'indice de développement humain a changé euh, donc euh, à partir de 2010 et donc à partir donc de cette date on va avoir même un changement au niveau des indicateurs qui mesurent les trois composantes essentielles euh, de l'indice de développement humain à savoir la santé l'éducation et donc le niveau de vie et là je rappelle très bien que euh, le, la première variable qui est la santé ou la longévité, c'est-à-dire la capacité à vivre longtemps et en bonne santé. Donc elle est mesurée par l'espérance de vie à la naissance exprimée en nombre d'années. Deuxième donc, composante, c'est l'éducation au niveau de savoir, donc la capacité d'acquérir des connaissances. Elle est mesurée par deux indicateurs. Donc le premier, c'est la durée moyenne de scolarisation des adultes, c'est-à-dire des âgés de 25 ans, exprimée en nombre d'années. Deuxième indicateur, c'est la durée attendue de scolarisation des enfants en âge scolaire. Et euh, enfin, nous avons la troisième euh, dimension, la troisième composante, troisième donc, critère, ce qui est le niveau de vie décent. Il est mesuré par le RMB par habitant en PPA, euh, bien sûr, euh, en dollars. Euh, voilà donc une représentation donc sommaire pour euh, l'indice euh, euh, de développement humain, euh, dont je rappelle que le calcul représente donc euh, la moyenne géométrique des indices utilisés pour mesurer les niveaux atteints dans chaque euh, dimension. La valeur de l'IDH étant bien sûr comprise entre 0 et 1 donc à partir de cette présentation générale, euh, j'essaie donc de tirer les éléments de réponse pour notre question. Donc, quelle est l'utilité de l'indice de développement humain Qu'est-ce que ça veut dire utilité C'est-à-dire, pourquoi nous sommes en train de calculer l'indice de développement humain euh, Ou à quoi sert cette, cet indice de développement humain Qu'est-ce qu'on va faire avec euh, cet indice de développement humain euh, Et donc, l'indice de développement humain est un indicateur qui permet, bien sûr, de réaliser euh, deux objectifs. Il a deux utilités. Première utilité, c'est mesurer les progrès réalisés en matière de développement humain. Deuxième utilité, c'est de faire des comparaisons entre les différents pays, de les classer. Je commence par la première utilité. Il s'agit donc de mesurer les progrès réalisés en matière de développement humain dans un pays au cours d'une année dans trois dimensions santé, éducation et niveau de vie. là, je crois que c'est le rôle premier de, de l'idh. Euh, pourquoi, d'ailleurs, on est en train de calculer un, un idh, c'est tout simplement pour mesurer le niveau de développement atteint par un pays dans les trois euh, domaines que nous connaissons tous, donc la santé, l'éducation et le niveau de vie. et là, je peux prendre, par exemple, donc, pour euh, clarifier cette euh, euh, donc, euh, première utilité, je peux prendre l'exemple du tableau précédent que nous avons pris avec la question numéro 3. Euh, par exemple, le niveau moyen de développement humain réalisé en Tunisie en 2015 est de 0,725. Ou par exemple, encore, je peux prendre l'exemple de Kuwait. Le niveau moyen de développement humain réalisé au Kuwait en 2015 il est égal à 0,725. 800. Je peux même utiliser donc euh, les données de la question euh, numéro 2 euh, qui traite ici donc euh, euh, qui a traité de l'exemple de Hong Kong et Suède. Je peux prendre par exemple euh, le niveau de développement atteint par Hong Kong est égal à 0,933 en 2017. De même, le niveau de développement atteint par le Suède est égal à 0,933 en 2017. En 2017. Donc il s'agit tout simplement alors là de mesurer euh, le niveau de développement pour chaque pays en une année bien déterminée. On passe à la deuxième utilité. Pour la deuxième utilité, il s'agit de comparer entre les différents pays et de les classer. Le recours à l'IDH montre que par exemple, donc si je prends très bien l'exercice euh, euh, de la question numéro 3, donc, sur lequel nous avons tra travaillé juste avec, avant cette question-là. Donc, qu'est-ce qu'on constate euh, Je constate que le Kuwait en 2015 est plus développé humainement que euh, la Tunisie. Donc, alors là, qu'est-ce qu'on a fait On a fait une sorte de euh, comparaison. Donc, pourquoi donc, le Kuwait est plus développé que la Tunisie Puisque son IDH qui est égal à 0,800 est plus élevé que celui de la Tunisie qui est égal à 0,725. Donc, euh, je peux comparer même le classement ici. Ainsi, hein, selon donc, le va la valeur de l'EDH, le Koweït est mieux classé que la Tunisie. Koweït, donc, nous avons classe numéro euh, 51. Par contre, la Tunisie est classée dans la place numéro euh, 97. Donc, on a bien comparé et on a bien classé les pays. Autre chose, donc, on peut, donc, selon l'EDH, bien sûr, distinguer ou placer les pays dans les quatre grands groupes euh, de pays que nous connaissons tous. Donc selon la valeur de l'IDH, on distingue quatre grands groupes de pays. Euh, donc les pays à développement humain très élevé, euh, les pays à développement humain élevé, les pays à développement humain moyen et le les pays à développement humain euh, faible. Pour euh, les pays à développement humain très élevé, leur IDH il est compris entre 0,800 et 1 bien sûr sans être égal à 1. Parce que donc un IDH égal à 1, ça, le 1, ça, on l'appelle maximum théorique il n'est jamais atteint jusqu'à maintenant par n'importe quel euh, pays. Ça reste donc un maximum théorique. Euh, donc ici, l'IDH va être soit égal à 0,800, soit il est entre 0,800 et, euh, et 1, c'est-à-dire supérieur à 0,800 et inférieur à 1. Pour les pays à développement humain élevé, leur IDH il est compris entre 0,700 et 0,799. Pour les pays à développement humain moyen, leur IDH il est compris entre 0,550 et 0,699. Et enfin, pour les pays à développement humain faible, leur IDH il est inférieur à 0,550 c'est-à-dire compris entre 0 et 0,550, bien sûr, sans être égal à ni à 0 ni à 0,550. Nous avons ici donc un intervalle ouvert de deux côtés. Donc, alors, de cette façon-là... Euh, je vois très bien, si je prends, ma, je continue le travail sur les exemples de nos deux exercices sur lesquels nous avons travaillé pour cette séance. Je reprends avec euh, le premier exercice, l'exemple de Suède et de Hong Kong. Et si je vois très bien, donc, euh, donc l'IDH de Hong Kong, de Suède, je trouve qu'il est égal à 0,933. Il est compris entre 0,8 et 1. Donc, les deux pays sont classés parmi les pays à développement humain très élevés. Si je prends l'exemple de, euh, de Koweït et de Tunisie dans l'exercice numéro euh, de la question donc numéro 3, nous allons trouver que pour la Tunisie, euh, dont l'IDH est égal à 0,725, il est compris donc, entre 0,700 et 0,799, euh, donc la Tunisie appartient au pays à développement humain élevé. Si je prends le Koweït qui a un IDH égal à 0,800, donc le Koweït va être classé parmi les pays à développement humain très élevé. Puisqu'on a dit que tant que le DH est supérieur ou égal à 0,800, le pays figure parmi les pays à développement humain très élevé. Voilà donc notre travail pour cette séance d'aujourd'hui. Donc merci de l'avoir suivi. Merci énormément à Saïd de au côté technique. Bonsoir une compagnie de radio.